Quelle météo pour les 24 heures du Mans? Eh ben oui, c'est ce week-end. Départ à 16 h, on fera. Oula, oh putain, bah non, les gens ils vont pas avoir beau temps quand même. Un rafale à 60 km/h au senti 13 degrés. Oh, ça va tellement cailler quoi. Et dire qu'on est mi-juin quand même, et puis au final, il fait un temps de merde. Ça me rappelle l'année dernière, en juillet, il faisait un temps de merde aussi. Bon, le dimanche, par contre, ça remonte les températures. On part sur 21 degrés, mais il y a des risques de pluie quand même, hein. Au final. 95% de risque de pluie. Ah oui, mais il va pleuvoir toute la course en fait. Enfin, pas toute la course, mais du coup, une bonne partie quoi. Bon, le samedi, il y a moins de risque de pluie, 60%. C'est surtout le dimanche quoi. Bon, bah, écoutez, on verra. Je ferai des streams de cette course. Alors, je diffuserai peut-être des onboards qui sont dispo gratuits sur YouTube. Par contre, je ne serai pas en stream sur YouTube parce que le WEC, enfin l'ACO, est très problématique sur les strikes. J'ai pas envie de prendre de risques sur YouTube pour le coup. Par contre, je serai sur Twitch type direct et kick en simultané, oui. Je serai là pour le départ à 16 h samedi. Je ferai peut-être plusieurs streams le samedi. Alors, je m'arrêterai peut-être au bout de 2 h et je reprendrai le soir, par exemple. On fera peut-être un truc comme ça. Et puis dimanche, pareil, je serai là pour l'arrivée. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, comme vous le voyez, la pluie est présente. Sera présente ce week-end au Mans. Allez, bye.